Donc, je vais passer à la série 3 directement. D'accord, premier exercice. Donc, vous avez la série suivante. Donc, vous avez les grammaires G1, G2. Donc, je vais faire l'une des deux. D'accord, je vais choisir la première. On va voir est-ce qu'elle est LR1 et SLR1. D'accord, et vous allez faire la deuxième. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer par mail. Donc, on va faire la première ensemble, pas à pas. Donc, vous avez la grammaire suivante. S qui donne A0, AB1, B0. Donc, vous avez A et B. Donc, d'abord, G, est-ce qu'elle est LR1? Donc, LR1, SLR1 et LALR1, c'est des méthodes ascendantes. C'est-à-dire, à partir de l'axiome, on essaie de, à partir de la chaîne, pardon, on essaie d'arriver à l'axiome, c'est l'inverse de la méthode LL1. Et c'est une autre méthode, autre manière de faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour le LR1, on va utiliser les items LR1. Pour SLR1, on va utiliser des items LR0. Donc, on va commencer par LR1. D'accord? Les items LR1. Donc, on a la grammaire suivante. Vous avez la grammaire. Donc, toujours l'item I0, vous commencez par Z qui donne point l'axiome. L'axiome ici, c'est S. D'accord? Donc, l'axiome, c'est S. D'accord, donc essayez de suivre. Donc on a la grammaire suivante. Donc je commence toujours pour n'importe quelle grammaire. Les items LR1, c'est quoi? Donc c'est Z toujours qui donne point au début S, l'axiome. Donc ici l'axiome c'est S. Donc je vais mettre dièse. D'accord, donc ça c'est au début. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en même temps. Donc le principe c'est quoi? Lorsque j'ai un point avant un nom terminal, le point devant un nom terminal, je dérive ce nom terminal. D'accord? Donc, ça, c'est le début. Après, le principe, c'est j'ai un point devant S, je dérive le S. Donc, le S va me donner ça. A0A et B1, B0. D'accord? Donc, S qui me donne, donc au début, je vais mettre le point au début. Je vais voir qu'est-ce que je vais mettre après la virgule, le terme après la virgule. D'accord. Donc, point. Donc, la première chose, c'est lorsque je trouve un point devant un nom terminal, je dérive le nom terminal. C'est le cas ici de S. D'accord, je vais mettre S en rouge parce que c'est ce qu'on a dérivé ici. Après, qu'est-ce que je vais mettre ici après la virgule? Regardez ce que vous avez dérivé. Vous avez dérivé le S. Donc, je regarde ce qu'il y a après. Je prends un terme, c'est-à-dire les débuts de le mot. Donc, ça, on l'appelle W. D'accord? Donc, ce mot-là, je vais prendre le début. Ou bien, c'est le suivant de ce que je dérivais exactement. Donc, en cours, peut-être vous avez dit, donc, vous avez point S après W. C'est un mot, donc le début du mot ou bien le suivant de S. D'accord? Le premier terme, le premier caractère suivant de S. Donc c'est dièse ici. D'accord? Donc ça veut dire que je vais mettre dièse ici et ici aussi. Parce qu'ici, dans les deux cas, j'ai dérivé S. Donc je vais rajouter encore, en dérivant S, j'ai retrouvé un point devant S. D'accord, j'ai retrouvé un point, pardon, devant un nom terminal, point devant un nom terminal, point devant un nom terminal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois dériver ce nom terminal.
ce A-là. Donc A qui me donne jusqu'à ce que je vais faire un tour, je m'arrête. Donc je dérive ce grand A-là, ça va me donner grand A qui me donne point petit a grand A. Je vais laisser ça quelque part ici. D'accord. Et aussi A qui me donne quoi? Point, un point. D'accord, on va voir qu'est-ce que je vais mettre après la virgule. Qui peut me dire qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Pourquoi dièse? Pourquoi je vais mettre dièse? C'est pas tout le temps que je vais mettre dièse. Regardez quand est-ce que je vais mettre dièse. Je mets dièse tout au début pour le premier élément. ZS dièse, parce que c'est la fin de la chaîne, de ma chaîne. Donc j'ai une chaîne, la fin c'est dièse. Pourquoi j'ai mis dièse ici? Parce que j'ai dérivé le S, ce S-là. Après le S, il y a dièse. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis dièse ici et dièse ici. Parce que ça, c'est quoi, les deux éléments? C'est le résultat de dérivation de S. Maintenant, j'ai dérivé le A. J'ai Attends, dérivé. mais zéro. Très bien. J'ai dérivé ce A-là. Parce que j'ai trouvé un point devant. Pourquoi j'ai rajouté les deux éléments? Parce que j'ai trouvé un point devant A. J'ai trouvé un point devant A, j'ai dérivé celui-là, j'ai eu ces deux éléments-là. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le suivant de grand A, c'est-à-dire 0. D'accord? C'est-à-dire après la virgule ici, je vais mettre 0. Et même ici, je vais mettre 0. D'accord? Maintenant, c'est bon, j'ai traité cet élément, j'ai traité celui-là. Maintenant, j'ai trouvé aussi un point devant grand B. J'ai trouvé un point devant un autre non terminal. Je dois dériver le B. Donc, c'est la suite ici. Je dois dériver le B, c'est-à-dire grand B va me donner point grand B. Point grand B, petit B. On va voir qu'est-ce que je vais mettre après la virgule. Et un autre élément, c'est B qui me donne, grand B, qui me donne point pour le dièse. Donc ça, grand B, petit B et dièse. Pardon, pour le epsilon. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais mettre après la virgule ici? J'ai dérivé ce grand B là. Qu'est-ce C'est que je vais mettre? Puisque j'ai dérivé ce grand B là, je vais mettre 1, très bien. Donc je vais mettre 1 ici et 1 ici. D'accord? Donc j'ai traité le grand A, j'ai traité le grand B. Maintenant je viens ici aux éléments que j'ai rajoutés. Celui-là, il y a un point devant un terminal. C'est bon, je vais rien faire. Il y a un point ici, il n'y a pas un non terminal. Mais ici, il y a un non-terminal. Point grand B. Qu'est-ce que je dois? Je dois dériver le B. Je dois dériver le B qui va me donner la même chose. Mais je vais voir qu'est-ce qu'il va me donner après la virgule. D'accord? Ici, j'ai trouvé un point devant B. Je dois redériver. Qu'est-ce que je dois mettre après la virgule? On va voir. Donc, j'ai dérivé ce B-là. Donc, la première fois, j'ai dérivé ce B. D'accord, la deuxième, la Madame, il y a première. une question dans le chat. Ah, il y a une question. D'accord, hein. Je vais. Il y a des questions, je n'ai pas vérifié. Madame, est-ce que vous pouvez répéter quand on a fait le 1 et 0? D'accord, je vais répéter. Je vais terminer après, je répète. Donc, pour le B, bon, je répète dès le départ. J'ai dit que pour n'importe quelle grammaire, je commence par cet élément-là. L'élément Z
qui me donne point l'axiome. Donc, note l'axiome ici parce que ça se peut un autre nom terminal ou autre chose. Donc, point l'axiome avec dièse. C'est comme ça que je commence pour n'importe quelle grammaire dans LR1. LR1, ça devient un caractère après la virgule. Après, je trouve un point devant un nom terminal, je dérive ce S-là. Ça va me donner quoi? Il y a deux MDP, deux membres droit de production. Donc, il y a S qui donne A0A et S qui donne B1B0. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant après la virgule? Je vais mettre, j'ai dérivé le S pour avoir ces deux éléments, je vais mettre le dièse, ce qu'il y a après S. Donc, dièse, dièse. C'est bon pour ces deux éléments. Maintenant, lorsque j'ai trouvé ces deux éléments, je trouve le point devant grand A. Je dérive le grand A. Bon, après, je vais traiter celui-là. Je dérive grand A, je vais avoir ça et ça. Donc, ça, c'est pour petit a grand A et ça, le point pour epsilon. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule pour A? Je vais revenir à A. Je dérive ce A, je vais mettre le suivant de A, c'est-à-dire 0. C'est pour ça que j'ai mis 0 ici. Je vais aller vers B. Je dérive le B, je vais avoir ces deux éléments, B qui donne grand BB, grand B petit b, et B qui donne point. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Puisque j'ai dérivé ce B-là, je vais mettre 1. 1 et 1. Donc, j'ai eu ça. Donc, pour cet élément, il y a un point devant un terminal. Un point, ce n'est pas un nom terminal. Donc, ici, il y a un nom terminal. Je dois dériver ce grand B-là. C'est-à-dire, je vais avoir grand B, petit b et point. Alors, qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Donc, j'ai dérivé ce grand B-là. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Petit b. D'accord? Donc, j'ai dérivé ce grand B, je dois mettre, bon, j'ai dérivé ce grand B, je dois mettre petit b ici et ici. D'accord, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, eh bon, je dois terminer parce que lorsque j'ai dérivé le grand B, j'ai retrouvé point aussi devant un nom terminal. D'accord, je dois redériver. Qu'est-ce que je vais avoir? On va voir. Je vais avoir toujours grand B qui donne. Je dérive celui-là. D'accord? Vous suivez avec moi. J'ai dérivé celui-là. Donc je vais avoir. Je vais avoir aussi. Grand B qui donne point B, petit B, et point. Avec quoi après la virgule? Avec petit B, c'est-à-dire je reviens ici. C'est les mêmes éléments qui sont dans... qui étaient déjà. D'accord? Donc si je redérive ce B, je vais mettre petit B, c'est-à-dire je vais avoir les mêmes éléments. C'est pas la peine de mettre les mêmes éléments, c'est-à-dire j'ai terminé. J'ai fermé mon ensemble. C'est clair. Donc ça, c'est pour l'ensemble I0. Donc pour l'ensemble I1, copier juste. Donc ça, c'est l'ensemble I0, ce qu'on a fait. Ensuite, on va faire les go-to. Les go-to, le principe de go-to, c'est quoi? C'est de déplacer le point. D'accord? Déplacer le point d'une position. Et toujours, je garde le principe, lorsque le point il est devant un nom terminal, je dérive le nom terminal. D'accord? On va faire tout doucement. Donc, je vais faire go to I0 avec quoi? Là où il y a point, soit devant un nom terminal ou bien un terminal, je dois traiter le go to, c'est-à-dire déplacer, oui. Oui. Madame, le I0, madame, Oui. le dernier dérivé, c'est le B.
Oui. Ici. Le dernier élément. Le dernier, celui-là. Je vais mettre petit b. J'ai pas compris la question. Où est-ce que je vais mettre b et b? C'est-à-dire les deux éléments que j'ai enlevés. J'ai pas compris la question. Posez-moi bien la question pour que je puisse comprendre. Donc ici. Bon, j'ai pas compris la question. Essayez d'écrire, de reformuler la question. D'accord, parce que j'ai pas compris. On continue, peut-être vous allez comprendre. Donc pour les go-to, qu'est-ce que je vais faire? Je commence dès le début de mon ensemble. Je vais faire I0 d'abord, pardon, avec S. Donc c'est-à-dire, donc je vais faire go-to I0 avec S, go-to I0 avec A. Là où il y a le point. Go-to I0 avec grand B, go-to I0 avec petit a. Pour déplacer le point, le principe c'est de déplacer le point. Combien d'items je vais avoir à la fin? Je vais avoir le nombre d'items. Je termine lorsque le point soit à la fin dans tous les ensembles. Je déplace le point jusqu'à ce qu'il soit à la fin. Par exemple ici, le point, je vais mettre go to I0, grand B. Je vais déplacer le point d'une position, ça va être là. Ensuite, go to quelque chose avec 1, ça va être là. Ça va être là jusqu'à ce qu'il soit à la fin. D'accord? Donc, go to I0 avec S. D'abord avec S. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir S. Point. Je déplace d'une position. Et le caractère après la virgule, je laisse tel qu'il est. Je prends, d'accord? Je prends l'élément tel qu'il est dans le go-to, tel qu'il est avec ce qu'il y a après la virgule. Je déplace le point. Et mais je regarde dans le I0 tous les éléments là où il y a point devant S. Il y a seulement celui-là. Il n'y a pas un autre point devant S. D'accord? Je termine et toujours, je vérifie lorsque je déplace le point, est-ce que le point a été mis devant un nom terminal? Donc ici, non, il est à la fin, il n'y a pas un nom terminal ici. D'accord? Donc maintenant, go to, bien, bon, je vais dire cette remarque après. Go to maintenant, toujours avec l'ensemble I0, il faut traiter tous les éléments de I0. I0, donc on a traité avec S, je vais traiter avec grand A. Avec grand A. Donc grand A, on a celui-là. D'accord, j'ai celui-là. Est-ce qu'il y a un autre là où il y a grand A? Seulement celui-là. D'accord, je vais prendre cet élément pour ne pas réécrire exactement cet élément et je déplace le point. Je déplace le point d'une position. D'accord, je vais avoir le point ici. N'est-ce pas? Exactement. Après, lorsque je déplace le point, je vais regarder, est-ce que celui-là est un nom terminal, est un nom terminal? Non. Si c'était un nom terminal, je dois dériver. Donc ici, ce n'est pas un nom terminal, c'est un terminal. Donc je m'arrête, je ferme. Donc ça, c'est I2. Je vais aller à I3. Donc I3, toujours je vérifie est-ce que l'ensemble existe déjà ou pas. Donc I3, je vais traiter, on a traité S, on a traité A, je vais traiter le grand B. I0 avec grand B. Grand B, j'ai cet élément, sa nom, et j'ai celui-là et celui-là. Regardez, juste une remarque. Pour cet élément et cet élément, on peut les regrouper dans le même. Et écrire comme ça. Donc c'est le même, grand B. Me donne grand B, point grand B, B, et point grand B, petit B avec B. Je peux mettre ça. 1, slash, petit B. Pour que ça soit clair, comme ça, oui. Donc, et je vais enlever celui-là, parce que j'ai regroupé le grand B, point grand B, B avec 1 et avec B. D'accord, je vais enlever celui-là. Et même
Ces deux éléments, je peux les regrouper parce que c'est le même. B qui donne point et B qui donne point. Avec soit un après la virgule ou bien B. Et comme ça, je peux enlever celui-là. Vous pouvez laisser. Mais vous pouvez aussi simplifier l'écriture. D'accord? Donc, go to I0 grand B, j'aurai combien d'éléments? Celui-là et celui-là. Donc, là où je vais déplacer le point. Donc, je vais prendre cet élément-là, je vais le mettre ici. Donc, je vais avoir S grand B. Je déplace exactement le même élément, je déplace le point d'une position. D'accord? Et lorsque je déplace, je vérifie, est-ce que le point est devant un nom terminal? Non. Très bien, il est devant un terminal. Je dérive pas. Je prends l'autre élément, celui-là. Donc ici, c'est go to I0 avec grand B, c'est-à-dire tous les éléments là où il y a point devant un grand B. Donc ça, ça et ça. Je vais prendre celui-là aussi. Je vais déplacer le point d'une position. J'aurai grand B, point B avec un ou B. D'accord? Lorsque j'ai déplacé le point, je vérifie. Est-ce que c'est un nom terminal? Non, c'est pas un nom terminal. C'est bon. C'est la fin de I3. Je continue. On a fait avec S, on a fait avec grand A, on a fait avec grand B. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Petit A. Il reste seulement petit A parce que ici, le point, il est au début et à la fin. Lorsque le point, il est à la fin, j'ai rien à faire. Le point, il est à la fin, j'ai rien à faire. Le B, on a traité. Donc, il reste seulement le petit a. Go to avec petit a. Donc, ça sera I4. Go to I0 avec petit a. Je vais avoir le même élément exactement et je déplace le point. Je ne change pas le caractère après la virgule. Je laisse tel qu'il est. Je déplace seulement le point d'une position, j'aurai ça. Mais le problème ici, lorsque je déplace le point, j'ai un point devant un nom terminal. Je dérive le A. D'accord? Je dérive, c'est-à-dire j'aurai grand A qui me donne point au début. Lorsque je dérive, je mets le point au début. Qui me donne petit a grand A. On va voir qu'est-ce que je vais mettre après la virgule. Et qui me donne aussi grand A qui me donne. Qui me donne point avec qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Qui peut me dire qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Zéro. Très bien, parce que j'ai dérivé ce A-là. Je vais le mettre en rouge. J'ai dérivé ce A. D'accord, j'ai déplacé le point il est devant un nom terminal. Donc je dois dériver ce grand A. Ça me donne ces deux éléments. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a après. Il y a zéro. Je vais mettre zéro ici. Lorsque j'ai dérivé, j'ai trouvé un point devant un terminal, ça ne pose pas de problème. Un point, il n'y a pas un nom terminal, ça ne pose pas de problème. Je ferme. Donc ça, c'est pour I4. Donc ça, on a terminé les go-to de l'ensemble I0. On a fait avec S, A, grand B, petit a. C'est tout ce qu'il y a. Je vais aller vers l'ensemble I1. Donc pour I1, le point, il est à la fin. J'ai rien à faire, j'ai pas à faire des go-to. Pour le I2, le point n'est pas à la fin, donc je peux faire un go-to pour déplacer le point ici. Donc, je vais copier ça. Donc, c'est un I5 ici. Toujours lorsque vous construisez un item, vous aurez un ensemble. Il faut vérifier est-ce que l'ensemble existe déjà. D'accord? Pour le nommer I5 ou autre chose, il faut vérifier d'abord. Donc maintenant, go to I2. Avec quoi? Avec 0. Go to I2 avec 0. Je vais déplacer ce point-là ici. D'accord? Et regardez ici, lorsque j'ai déplacé le point, j'ai un point devant un terminal. Donc je dois dériver, c'est-à-dire je vais avoir ça. Les deux éléments. Avec quoi après la virgule, on va voir. Je vais avoir lorsque je dérive ce grand A là, parce qu'il y a un point devant un nom terminal,
Je vais avoir point petit a grand A, point. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? J'ai Dièse. dièse. J'ai dérivé ce A. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a dièse. Donc je vais mettre dièse ici. Dièse et dièse. Lorsque j'ai dérivé ce A, j'avais ces deux éléments. Il n'y a pas un point devant, un nom terminal. C'est bon, je m'arrête là pour le I5. C'est un ensemble qui n'existe pas déjà, donc je vais nommer I5. Qu'est-ce qui reste pour le I2? On a traité le seul élément qui existe pour le I3. Donc, go to I3 avec 1 et go to I3 avec petit b. D'accord? Donc, je vais copier celui-là. Donc, c'est un autre item. On va le nommer autre chose. Donc, go to I3. Bon, ici, go to I3 avec 1. Avec 1, j'aurai ça. Bon, je vais enlever ça. Ça, c'est autre chose. Donc, go to I3 avec 1, j'ai seulement le 1 ici. Donc, je déplace le 1 d'une position, j'aurai le 1 ici. D'accord, j'ai déplacé le 1. Lorsque je déplace le 1, je vais avoir un nom terminal. Je dois dériver ce nom terminal, ce B. Je vais avoir les deux éléments de B. Je vais les copier pour ne pas réécrire, pour faire vite. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre après la virgule. Bon, je laisse. Bon, j'ai dérivé ce grand B là. Je vais avoir point grand B petit b et point. Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule lorsque j'ai dérivé le grand B? Qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Ici, 0. Parce que j'ai dérivé ce grand B, je vais avoir 0. Ici aussi, je vais avoir 0. Donc, j'ai dérivé ce grand B, j'ai eu un grand B aussi. Je dérive une autre fois, je vais avoir grand B, point B, petit b, grand B, point. Avec quoi après la virgule? Petit b. Parce que j'ai dérivé ce B. Je vais avoir ce même élément avec, je vais mettre slash ici, je ne vais pas réécrire l'élément, un B. Ça, et j'ai eu le même élément, aussi, j'ai eu aussi un point devant grand B, je dérive, je vais avoir aussi ça. Avec quoi après la virgule? Avec B aussi. C'est-à-dire, je reviens au même élément. Donc, c'est-à-dire, je dois m'arrêter. D'accord? Est-ce que cet ensemble existe déjà? Donc, il y a cet élément ici avec un B. Donc, ici, c'est 0B. D'ailleurs, il y a les premiers éléments, ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est un nouvel ensemble, c'est ici, ici. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc ici, j'écris directement, je n'ai pas réécrit le B qui donne point grand B, petit b, et avec 0, ensuite B, ensuite je reviens toujours avec B. Donc je regarde, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas beaucoup de manches. Donc I3 avec 1, c'est bon. I3 avec petit b maintenant. I3 avec petit b. Donc I3 avec petit b, c'est ça. I3 avec petit b. Je vais enlever cet élément-là. C'est-à-dire, j'aurai ça avec le B que je dois déplacer à la fin. Après la virgule, je garde la même chose. D'accord? Est-ce que cet élément existe déjà? Cet ensemble existe déjà? Non, il n'existe pas. Donc ici, j'ai déplacé le point. Il n'y a pas un nom terminal pour redériver. Donc ça, c'est I7. D'accord? Donc, est-ce qu'on a terminé avec le I3? On a fait I3 avec 1. On a fait I3 avec B. C'est bon.
Je passe à I4. Maintenant, I4 avec grand A et avec petit a. Donc, I4. I4. Donc, ici, je vais mettre I4 avec grand A. Donc, I4 avec grand A, je prends cet élément, il y a celui-là seulement. Je déplace le point. Donc, ce point-là, je déplace d'une position, j'aurai ça. Et ça, il n'y a pas. D'accord. Donc, pour I4 grand A, je prends seulement cet élément, là où il y a un point devant grand A. Et je déplace le point. Le point, il est à la fin, il n'y a pas un nom terminal pour dériver, c'est bon. Est-ce que l'ensemble existe déjà? Non. Donc, I8, vérifie avec moi. Donc, ça n'existe pas. Donc, il y a S qui donne ça, il n'y a pas ça. Donc, ça, c'est pour I4 grand A. Donc, I4 petit a. Donc, go to I4 petit a. Je vais enlever ça. Je laisse l'élément concerné, c'est-à-dire celui-là, et je déplace le point du petit a vers là. Je laisse les caractères après la virgule tels qu'ils sont. D'accord, j'aurai ça. Lorsque je déplace, j'ai un point devant grand A. Maintenant, dans ce cas-là, je dois dériver le grand A. Parce que j'ai un point devant grand A. Vous suivez? Donc, je dérive le grand A. Je vais avoir ces deux éléments-là. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre après la virgule. Donc, j'ai dérivé ce grand-là, j'aurai A qui donne point A grand A, A qui donne point. Donc, qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Qu'est-ce qu'il y a après le A? Il y a 0. Je vais mettre ici 0. Je vais mettre 0 et 0. D'accord. Lorsque j'ai dérivé le A, il y a un point devant terminal. Ça pose pas de problème. Donc, on s'arrête comme ça. Pour. Madame, cet ensemble est égal à I4. Est-ce que cet ensemble existe déjà? Très bien. C'est exactement le I4. Vous voyez, c'est exactement l'ensemble I4, donc je vais mettre I4. Sinon, on s'en sort pas. Si vous vérifiez pas, c'est-à-dire si vous allez appeler celui-là I9, c'est-à-dire vous allez faire les go to pour I9, ça va être la même chose, donc on ne va pas s'en sortir. Il faut toujours vérifier. Très bien. Donc, est-ce qu'on a terminé avec I4? On a fait I4 avec grand A et I4 avec petit a. On a terminé avec le I4, maintenant I5. I5 avec grand A et avec petit a aussi. D'accord? Donc I5 d'abord avec grand A. Donc I5 avec grand A. Donc, c'est-à-dire cet élément, je déplace le point ici, j'aurai un point à la fin. Donc, I5 avec grand A, j'ai seulement celui-là, je déplace le point, il n'y a pas problème de point devant un nom terminal, donc je m'arrête ici. Et est-ce que l'ensemble existe pas? Il n'existe pas. Donc, ce sera un autre ensemble qu'on appelle I9. Donc, toujours pour le I5, I5 avec petit a. Virgule ici. Donc, I5. Avec petit a. Donc, je vais pas avoir cet élément-là. Je vais avoir seul. Donc, I5 avec petit a, c'est cet élément-là où je dois déplacer le point. Je vais avoir le point ici. D'accord. Et ici, en déplaçant le point, on a un point devant un nom terminal. Je dois dériver le a. C'est-à-dire, je vais avoir ça. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre après la virgule.
j'ai dérivé ce A-là, je vais avoir un dièse, n'est-ce pas? Je dérive le A, je vais avoir un dièse après le A, c'est-à-dire ici. Est-ce que cet ensemble existe déjà? C'est pas le I4? Est-ce que c'est le I4? Non, Non, c'est c'est virtuel. pas le I4 parce qu'ici on a 0, ici on a dièse. D'accord? C'est pas le I4. Et c'est pas un autre. Donc, on continue. C'est I10. Donc, on a terminé I5, on a fait avec grand A et avec petit a. Maintenant, pour le I6. Donc I6 avec grand B, on a ces deux éléments. I6 avec grand B, je copie. Donc I6 avec grand B. C'est-à-dire ce point-là, je le déplace ici. Et aussi ce point-là, parce qu'on a ici, regardez, on a deux éléments. Là où le point, il est devant celui-là et celui-là. Je déplace le point des deux éléments d'une position. Là, je trouve que c'est un terminal. Le point, il est devant un non-terminal. Là, le point, il est devant un terminal. Pardon, ici, un terminal. Donc, j'aurai pas de problème pour dériver. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que l'ensemble existe déjà? Non, ça n'existe pas. Donc, c'est I11. Donc, ça, c'est I6 avec grand B. On a ces deux éléments. C'est tout ce qu'il y a parce que celui-là, il y a le point, il est à la fin. Pour le I7, le point il est à la fin. Vous regardez, le point il est à la fin pour I7. C'est bon, c'est terminé. Pour le I8 aussi, le point il est à la fin, c'est terminé, c'est très bien. Pour le I4, on a fait les fermetures pour le I4. On a terminé les gâteaux de I4, c'est bon, on a traité. Pour le I9, le point il est à la fin, très bien, c'est bon. Il reste le I10. Donc I10 avec grand A. Donc, I10, go to I10 avec grand A. Donc, go to I10 avec grand A. C'est-à-dire, cet élément, je déplace le point ici et j'enlève l'autre. D'accord, donc I10, je déplace le point à la fin, donc je vais enlever l'autre élément parce que c'est petit a et c'est pas grand a. Donc ça c'est un, est-ce que cet ensemble existe? Donc il y a a, petit a, grand a avec 0, il n'y a pas avec dièse. D'accord, vérifiez avec moi, il n'y a pas cet élément, donc c'est I12. Il n'y a pas cet ensemble déjà. Donc il y a le même ici. Mais ici, c'est 0, c'est pas dièse. Donc, I10, c'est pour ça qu'on va l'appeler 12. I10 avec grand A, c'est bon. Maintenant, I10 avec petit a. Donc, I10. Bon, I10, oui. Avec petit a. Je vais enlever cet élément. Donc j'aurai ça, le A qui me donne point petit a, je déplace le point ici, mais en déplaçant le point, j'ai un point devant un non terminal. Donc je dois dériver, je vais avoir ça, les deux éléments de A. D'accord, qu'est-ce que je vais mettre après la virgule? Je vais mettre des dièses.
D'accord, parce que j'ai dérivé ce A, j'ai un dièse après. Donc, regardez, est-ce que cet ensemble existe déjà? Vous suivez? Très bien, donc c'est exactement le I10. D'accord, c'est I10. Donc, je vais mettre ça en couleur. Et c'est le I10 parce qu'il serait. Je peux pas l'enlever, je peux pas enlever cet ensemble. Pourquoi? Parce que je vais faire les décalages après. Je peux pas enlever cette ligne, d'accord? Même celle-là. Parce que ça, c'est le go to I0 avec A, c'est un décalage. Et ça, c'est I4 avec petit a. Même ici, I10 avec petit a. Je peux pas enlever même si c'est un ensemble qui existe, l'essentiel, c'est donner le même nom. Donc, I10 avec grand A, c'est bon. I10 avec petit a, c'est bon. Maintenant, pour le I11. Donc, I11, on doit mettre I11 avec 0 et I11 avec petit b. Et normalement, c'est bon. Donc, il reste deux autres ensembles. Donc, c'est I11 avec 0. Donc, I11 avec 0. Où est-ce qu'on est? I11 avec 0. Je déplace le point ici. C'est tout. C'est le seul élément. Et est-ce que c'est un ensemble qui existe? Non, parce que. Donc c'est I13 parce qu'on n'a pas déplacé le point. Il reste le I11, go to I11 avec le dernier élément. Go to I11. Avec quoi? Donc je reviens à I11. On a mis I11 avec 0 et on va mettre I11 avec petit b. Petit b. Donc c'est-à-dire je vais enlever ça. Premier élément. Donc, on s'intéresse au deuxième élément, là où il y a le point devant petit b. Exactement cet élément, le point b à la fin. Je reprends l'ensemble I11. D'accord? L'ensemble I11. Vous avez l'ensemble I11 ici. Regardez l'ensemble I11. Vous avez un point devant 0, on a traité. Et un point devant petit b, on a traité. C'est bon, on a traité ces deux éléments. Donc le I12, le point, il est à la fin. I11, on a déjà traité. Pour le I13, le point, il est à la fin. Je dois le mettre ici. Avant la virgule. Donc I13, c'est quoi? C'est I0, point, oui. I13, le point, il est à la fin. Donc regardez seulement cet ensemble, est-ce qu'il existe? I11B, petit b. Est-ce que cet ensemble existe? Donc, il y a l'élément ici, mais c'est 1B, c'est pas 0B. Donc, ça n'existe pas normalement. C'est I14, n'est-ce pas? Vérifiez avec moi. Oui, c'est I14. On n'a pas fait d'erreur parce que, donc, ici, 11, c'est 0B. Normalement, c'est bon. D'accord. Donc, on a terminé. Il y a combien d'items ici? On a 15 items de I0 à I14. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On vous demande dans l'exercice de voir est-ce que la grammaire est LR1. Donc, on va tracer la table LR1. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans la table LR1? Les lignes, ça sera quoi les lignes? Ça sera les items et les colonnes, ça sera tous les terminaux et les non-terminaux. D'accord? J'espère que ça bloque pas parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à mon PC. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Bon. Donc, on a 15 items. Je vais essayer de tracer la table ici. Je vais ramener une table qui existe pour ne pas perdre beaucoup de temps. Parce qu'une heure, on a fait juste le LR1.
Est-ce qu'elle est? Donc voilà. Je vais mettre la table ici devant nous. Bon. J'essaie de copier quelque part ici. Voilà. Donc regardez. Donc les lignes, c'est tous les items qui existent. Je vais rajouter parce qu'on a jusqu'à l'item I14. Et les colonnes, on va mettre tous les noms terminaux, S, A, B, et les terminaux. Donc on a 0, 1, d'accord? Et petit A, petit B, il ne faut pas oublier le dièse, d'accord? Je vais seulement rajouter les items qui existent. Je vais rajouter, insérer des lignes. Donc, on a 7, donc I8, I9, I10, I11. L'item 12, 12, I13. Donc le principe c'est quoi? Je vais regarder d'abord les go-to. La première chose, je vais regarder les go-to. D'accord? Je vais regarder seulement les go-to. Là où il y a les go-to, je vais, ça sera un décalage. Bon, ça sera un décalage si c'est un terminal. Si un non terminal, ça sera un passage vers un autre état. Par exemple ici, c'est très facile, hein? Donc, I0S, regardez, de I0S vers I1. Pardon? Non, ce n'est pas une réduction. C'est aller vers l'item I1. Donc, I0S, c'est aller vers l'item. C'est comme si vous avez un automate. Donc, vous avez I0 avec le terme S. En flèche S, vous allez vers I1. Vers I1, pardon. D'accord? Vous allez regarder ici. Donc, la ligne I0 avec la colonne S, vous allez mettre I1. Donc, I0 avec A, grand A. Très bien, tout simplement, c'est très facile. I0 avec grand B, c'est I3. D'accord? Regardez ça. Donc, maintenant, I0 avec petit a, puisque c'est un petit a, ça sera, on va dire, décalage 4. C'est un décalage 4. 2 avec 0, I2 avec 0, c'est quoi? Puisque c'est un terminal, donc c'est décalage 5. Voilà. I3 avec 1, on n'a pas oublié quelque chose. SAB, donc on a fait. Petit a, oui. Décalage 4, donc 2, 0, décalage 5. I3 avec 1. Avec 1, c'est décalage aussi, parce que c'est un terminal. Donc ici, à partir de là, c'est des décalages et là, c'est des items. Avec 1, donc I3 avec 1, c'est décalage 6. I3 avec petit b, décalage 7. I4 grand A, I8, item 8. 4 petit a, décalage 4. 5 grand A, 5 petit A, décalage 10, 6B, I11, I10 avec grand A, I12, I10 avec petit A. I11 avec 0. Avec B, décalage 14. Décalage 14.
D'accord. Donc on n'a rien oublié. Je vais compter 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, 3, 4, 16. Exact. Donc c'est ce qui concerne les décalages. D'accord, pour les décalages. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour les réductions? Qu'est-ce qu'on va faire pour les réductions? Donc, je vais... Pour les réductions, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir là où il y a le point à la fin. On va numéroter d'abord les réductions, nos réductions. On va numéroter. Donc ça, c'est la réduction 1. Ça, c'est la réduction 2. D'accord. Ça, c'est 3. On a fait la moitié de l'exercice. Ça, c'est 5. Oui, on va les numéroter. Oui, bien sûr. Ça, c'est 4. Et ça, c'est 6. Oui, très bien. Vous êtes en train de suivre. Donc, on numérote nos réductions. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais voir dans toute ma grammaire là où il y a le point à la fin. Ça sera une réduction. Donc, je regarde dès le début là où il y a le point à la fin. Je vais laisser à côté ça. I0. Est-ce que dans I0 il y a point? Si. D'abord le I0, regardez, ça c'est une réduction. Le point il est à la fin. C'est vrai, il est au début, mais à la fin aussi. Ça c'est une réduction, c'est la réduction 4. Ça aussi c'est une réduction. Donc ici, le point il est à la fin ici. D'accord. Ici, le point n'est pas à la fin, n'est pas à la fin. Où est-ce qu'on a? Donc ici, c'est le point, il est à la fin. Il ne faut pas oublier le cas du dièse. Au début et à la fin. D'accord. Où est-ce qu'on a aussi? Donc ça aussi. Le point, il est à la fin. Et ici aussi. Bon, je n'ai pas. Lorsque vous travaillez dans la feuille, donc essayez d'encercler par exemple. I7 et I8. Donc dans I7. Donc I8 aussi. Regardez là où il y a le point. Donc tout ça, c'est des réductions qu'on doit. Donc I4, on a traité l'ensemble. Ce n'est pas la peine de refaire ici, parce que c'est un ensemble qui se répète. I10. I10. Pour cette réduction, on a ça non pour I12. Bon, I10, on a déjà traité 13 et 14. Donc, je reviens à ma table. Comment je vais remplir les réductions? On a numéroté, par exemple, ça c'est la réduction 4, ça c'est la réduction 6, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à ma table, je vais faire ça. D'abord, dès le début. Donc, on a seulement ça. Non, on a deux dans le I0. Donc, dans la ligne I0, la colonne 0, d'accord? La ligne I0, colonne 0, on a la réduction 4. La ligne I0, la colonne avec 0, on a une réduction ici. Réduction. 4. Où est-ce que j'ai écrit 4? D'accord, c'est clair. Donc, la ligne 0 avec petit 0 ici, on a réduction 4. La ligne toujours I0 avec 1 et B, on a aussi une réduction. 1 Merci. et B. Mais c'est ce quelle réduction? C'est la Merci. réduction B, c'est-à-dire 6, avec 1 et 0, c'est ça. Réduction 6, réduction 6.
Donc avec 1 et 0. Maintenant, avec I1. Donc I1 avec dièse, pour n'importe quelle grammaire, on a ça, c'est la chaîne acceptée. On met ça. D'accord? Après, je vais passer à I4, on a avec 0. Donc I4 avec 0, on a une réduction. C'est laquelle? Réduction 4. I5 avec dièse. Donc I5 avec dièse, aussi on a une réduction. Laquelle? 4 toujours. Maintenant, I6 avec 0 et B. I6 avec 0 et B, quelle réduction? 6. Maintenant, donc ça c'est I6. Pour le I7, on a une réduction, c'est la réduction 5. Donc I7, réduction 5, avec quoi? 1 et B. 5, 1 et B. 5. Essayez de voir avec moi. Donc I7 avec 1 et B, c'est la réduction 5, oui. Maintenant I8 avec 0. Quelle réduction? C'est 3. Maintenant, I9 avec dièse, on a la réduction 1. I10 avec dièse, on a la réduction 4. I12 avec dièse, on a une réduction 3. I13 avec dièse 2, oui, et 14 avec 0 et B 5. Donc ici on a terminé, donc on a mis tous les décalages, toutes les réductions. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est quoi la suite? Donc maintenant, on a tout fait. Donc c'est la table LR1. Donc je vais voir est-ce qu'elle est. C'est un analyseur celui-là, ce tableau. C'est un analyseur. Avec ce tableau, je peux analyser n'importe chaîne. Est-ce qu'elle est correcte ou pas syntaxiquement, d'accord? Donc, très bien. Si elle est définie, si elle est multidéfinie, je ne peux pas utiliser. Mais si elle est monodéfinie, qu'est-ce que ça veut dire monodéfinie? C'est-à-dire, au plus, il y a une règle dans une case. Je ne peux pas avoir deux choses. Par exemple, ici, réduction, décalage. Donc, ça sera une multidéfinition. Mais partout dans la table, on a soit aucune règle ou bien une seule. D'accord? Il n'y a pas deux choses dans une même case. Donc, ça veut dire qu'elle est monodéfinie. Puisqu'elle est monodéfinie, je peux dire que la table, elle est LR1 ou bien la grammaire est LR1 parce que c'est ce qu'on vous demande. Est-ce que la grammaire est LR1? Et dans ce cas-là, je peux utiliser cette table pour analyser nos chaînes syntaxiques. D'accord. Donc ça c'est tout une heure pour vérifier est-ce que la grammaire est LR1. Est-ce que on peut continuer pour le SLR1? Je peux continuer. Là on laisse. Vous répondez pas. Vous avez une heure et bon. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais m'arrêter là parce que normalement pour le SLR1, c'est rapide. Parce que pourquoi on n'a pas le terme après la virgule? Et je ne dois pas réécrire tout parce que je vais faire des changements sur la grammaire. C'est pas grave, je vais laisser pour la prochaine fois. Seulement, je vais revenir rapidement sur la série 1,
juste des remarques. Parce que j'ai envoyé la solution pour la série 1. Juste quelques minutes. Donc, si vous vous rappelez de l'exercice 3. L'exercice 3, on a écrit l'automate qui donne l'entité x qui commence par 0, ne contient pas de 0 consécutif. Commence par 0 et ne contient pas de 0 consécutif. D'accord? Ne contient pas de 0. Donc, si je vais avoir un 0, je reviens par 1. Ça pose pas de problème si je sors avec 0. Donc, dans cet automate, lorsqu'on a regroupé les 3, lorsqu'on a regroupé le 3, on avait un problème là où, lorsque je vais mettre double 0 pour avoir le z, on pourra boucler dans x et avoir z. On avait ce problème. Donc, pour régler ce problème, je n'ai pas pris le même automate ici. J'ai rajouté un état pour ne pas faire en même temps x et z. Parce que l'autre fois, qu'est-ce qu'on avait? Regardez. Je vais copier celui-là. Je vais copier celui-là pour que ça soit un peu clair. Je vais grouper. Donc, au lieu, parce que ça, c'est la solution finale, ce que j'ai donné ici. D'accord? On avait ce x-là. Lorsque je vais faire sortir le s pour avoir un automate déterministe, je vais faire 0 ici pour avoir le z. C'est ce que je vais faire, 0. Qu'est-ce que je peux avoir? La flèche, je vais la faire sortir de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je peux faire x et le z, c'est quoi? Ça commence par double 0 ou bien double 1. Je peux faire 0, 1, 1 et je vais aller vers, donc cette flèche, je peux faire x, je vais aller vers z et je peux sortir avec 5, 6, 7, c'est le mot z. D'accord? Et ça, c'est un problème. Parce que le mot ne commence pas par double 0, il commence par 0, 1. Il peut commencer par 0, 1, faire le tour et rentrer dans Z. Donc, pour ne pas avoir ce problème-là, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de prendre seulement trois états dans X, j'ai rajouté un état pour ne pas boucler ici. Parce que de cette manière-là, je ne peux pas revenir à, je ne peux pas aller à Z. D'accord, c'est une solution. Je vais retourner. C'est comme si j'ai rajouté un état ici. D'accord, j'ai rajouté un état parce que de S1, je ne peux pas aller vers Z. Bon, je vais aller vers Z dans le seul cas où je commence par double 0. Mais lorsque je parcours le X, attendez. Oui, ça sera la même chose, je crois. Non, ça ne va pas être la même chose parce que si je parcours le x, je ne peux pas revenir ici et aller vers z. D'accord? Si je vais faire ce 1-là, je ne peux pas revenir à z. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si vous avez compris le problème. Tout d'abord, il faut comprendre le problème qu'on avait. Donc, il y a une étudiante qui a posé le problème. Lorsque je vais parcourir le x, je vais revenir à z. Et ça sera ni le mot x ni le mot z. Mais avec cette solution-là, si je rentre dans x, c'est-à-dire je vais faire ce 1-là, je peux faire seulement le x, je ne peux pas revenir à z. Donc ça, c'était ma remarque. Bon, j'ai déjà envoyé la solution. Il y a une autre remarque, bon, ce n'est pas une autre remarque, mais il y a l'exercice 3, parce qu'en cours, lorsque j'ai fait le présentiel, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez compris l'analyseur syntaxique? Vous m'avez dit, bon, je vous ai dit, je vais vous envoyer un exercice là où, un exercice résolu, là où il y a l'analyseur syntaxique. Donc, vous avez ici tous les états pour voir est-ce que c'est LL1. Donc, tout ça, c'est pour dire c'est LL1 parce qu'il faut vérifier LL1 pour faire la descente récursive. Après, pour la descente récursive ici, on doit écrire pour chaque nom terminal, donc S, X, Y, Z et T, une procédure. Donc, vous avez ici les procédures, vous pouvez vous exercer. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Parce que vous avez fait l'exercice
sur la descente. Ça, c'est en plus. La chargée de cours, vous avez l'exercice en cours, d'accord, de la descente récursive. Ça, c'est en plus pour vous entraîner. Seulement, ce que j'ai donné comme remarque en cours, c'est que lorsque vous avez epsilon, il faut vérifier les suivants. Donc, regardez ici, par exemple, dans la procédure X, si le terme courant commence par petit x ici, j'avance. Mais s'il commence par petit x et epsilon ici, je ne peux pas dire que c'est une erreur, mais je vérifie dans le sinon, est-ce que c'est un début de x? Bon, pardon, dans le sinon ici. Est-ce que ce n'est pas un suivant de x? Si ce n'est pas un suivant, je vais faire erreur. D'accord? Donc, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous donner comme remarque. Donc, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Donc, à la prochaine fois. Donc, Merci, madame. jeudi Merci, prochain. madame. Donc, je vous remercie. Et donc, j'ai reçu aucun mail de votre père. J'ai reçu aucun mail. Essayez de m'envoyer si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions. Tout est. Vous avez tout compris. Le moment, madame, personnellement, j'ai aucune question. Très bien. Donc, sinon, donc vous avez l'exercice que j'ai déjà envoyé. Essayez de le faire vous-même. Vous avez la solution. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions.